J'ai presque fini. Brian et moi sommes maintenant officiellement ensemble. Et bientôt, on aura notre mariage. Ah, si seulement il savait à quel point je suis follement amoureuse de lui. C'est si mignon. Le premier amour est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Oh non, il nous regarde. Hé, Riley. Ne regarde pas. Qu'est-ce que t'as là? Montre-moi. C'est pas vrai. T'as le béguin pour moi? Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est drôle. On sera jamais ensemble. N'en rêve même pas. Il ne m'aime vraiment pas du tout. C'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe avec la console de contrôle? Comment je peux l'éteindre? Qui est là? Me voilà. Je peux sentir le désespoir dans l'air. Qui es-tu? Ça n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance. Ne touche pas au bouton! Écarte-toi. Il n'y a plus de place pour l'amour ici. Mon cœur est brisé. Je ne crois plus en cet amour stupide. Je ne suis plus la même fille naïve qu'il y a une minute. Mes yeux sont enfin ouverts. Ce monde est plein de douleur et de désespoir. La joie a quitté cette planète. La vie a perdu ses couleurs. Et mes yeux sont remplis de larmes. Je ne peux plus faire confiance à personne. Maintenant, il n'y a plus que moi contre le reste du monde. Je reste avec Riley pour toujours. Pas question. C'est pas possible. C'est ce qu'on va voir. Quoi? Hé, Morose, t'as clairement besoin d'un peu d'amour. Attrape mon baiser. Oh, pourquoi ma tête tourne-t-elle? Ça a marché. Maintenant, je vais t'attacher. T'as besoin d'une pause. On dirait que je suis prise. Cet amour est plus rusé que je ne le pensais. C'est pas fini. Je peux prendre soin de moi. Retournons aux commandes de Riley. Quelle belle journée. C'est tellement incroyable d'être amoureux. Ah. Plus de larmes. Tout va bien se passer. Brian et moi sommes faits pour être ensemble. Je vais juste cacher ça avant qu'il ne le voie. Je me demande ce que fait mon bien-aimé en ce moment. Hé, chérie, c'est pour toi. Oh non, il a donné des fleurs à une autre fille. Oh. Il est temps d'agir. Ourson, j'ai besoin de ton aide. Je l'ai. Je me mets au travail. J'ai une énorme responsabilité. Je peux pas laisser tomber ma fille. Voici la console de contrôle. Encore un peu. On y est presque. Il n'y a rien de mieux que l'amour. Je ne dirai pas ça. Oh! Arrête de mordre! Oh! Laisse les ténèbres régner. Il est temps pour moi de grandir. Je ne peux pas vivre dans des illusions. Il aime une autre fille. C'est fini. Notre amour est mort. C'est son enterrement. Même si c'est difficile de dire au revoir, je n'ai pas d'autre choix. Je dois le faire. Mon cœur sera marqué à jamais. Repose en paix, mon amour. Que tu puisses te reposer tranquillement. Tu nous as quittés si jeunes. Il n'y avait pas d'amour réciproque pour toi ici. J'espère que tu le trouveras dans l'au-delà. Je ne t'oublierai jamais. C'était un adieu très émouvant. Je suis complètement vidée. Mission accomplie. Oh non! Que dirais-tu d'un deuxième round? T'es dans le coup maintenant! On verra bien! Ah oh! Attends un peu! C'est une excellente idée! Ella! On m'a appelé! Bi, j'ai besoin de ton aide! Compris! Pas de problème! Je vais m'occuper de ça comme une pro! C'est pour ça que tout le monde m'appelle la Bi Hitman! Cible verrouillée! On tire dans le mille! Ah oh! Pourquoi ça brûle?
T'en as eu assez? Il ne faut jamais se frotter à l'amour. Je sors d'ici. Ça devrait te calmer un peu. T'es beaucoup trop agressif. Reste bien assis avec ta propriétaire et ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que... Comment trouves-tu ma tenue? Il est temps de mettre de l'ambiance. Il est temps de commencer la fête. Êtes-vous prêt à faire du disco? Je vois pas de main levée. Brian, pourquoi tu restes assis là? Groove un peu. Remue ton ventre. Quoi? Fais comme moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mets tes chaussures et danse avec Riley. Est-ce que tu aimes ça? J'ai de la fièvre. C'est quoi le problème? C'est juste mon style. C'est vrai. Arrête. Alors, t'as aimé ma danse? C'était génial. Je plaisante. C'était totalement dégoûtant. Sérieusement? J'ai travaillé comme une folle. J'ai passé toutes ces nuits à répéter pour rien. J'ai besoin d'une pause. Il est temps de réfléchir à la façon dont je peux encore l'épater. Assez! Va ridiculiser quelqu'un d'autre! Comme tu veux. Attends. Qui c'est? Bonjour! J'ai un cadeau pour toi. Tiens! Oh! Quelle impolitesse! Pauvre chose. Oh, c'est gênant! Sors de là tout de suite! D'accord, d'accord, je m'en vais! Qu'est-ce qui va pas chez lui? Amour s'est laissé distraire. C'est l'occasion de faire appel à ma sœur. Appuie sur le bouton. Bon travail. Qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à me libérer. Je dois aider Riley à se battre pour son amour. Comment tu t'es libéré? Vous êtes deux? Il a raté. T'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle moi-même. Beau travail, Sœurette. Merci, Sœurette. Maintenant, où en étais-je? Assez dansé. Je suis vraiment de mauvaise humeur maintenant. Et je sais exactement qui est à blâmer pour ça. Quel regard terrifiant! J'ai besoin d'une protection supplémentaire. J'en ai marre de cette école. Je suis coincée ici depuis bien trop longtemps. Tu me comprends, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Elle parle à un squelette! Quoi, tu veux lui parler toi aussi? Riley, qu'est-ce qui va pas? Je t'aime! Viens à moi! Traîne un peu avec Brian. Oh, ne me touche pas! Oh, mon pote, tu vas pas le croire. Le stress est en train d'abîmer mes ongles. Et c'est de sa faute. C'est pas gentil de faire du mal aux filles. J'ai pas peur de toi. Reste en arrière. Il essaie de me faire peur avec le signe plus. Et pourtant, c'est moi qu'on traite de bizarre. Merci pour la manucure. Tu m'as vraiment sauvée. Pas de problème. Quand tu veux. J'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. Je t'écoute, mon fils. Des esprits maléfiques possèdent cette fille. Je vais les exorciser. T'es sûre de ça? C'est le mal à l'état pur. Je peux pas m'occuper de ça. Oh, aide! Quelle bande de tarés. Et je dois étudier avec eux. Je commence à avoir faim. Il est temps de commencer la procédure de repas. Qu'est-ce qu'on mange? Parfait. Ce sont mes piranhas préférés. La bataille n'est pas encore terminée. Je dois appeler des renforts. Cupidon, j'ai besoin de ton aide tout de suite. Compris. Et puis, il m'a frappé. Je dois y aller. Comme tu veux. Super, méga, Cupidon, je suis là. Voilà ta cible. En plein dans le cœur. Non,
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'heure du câlin. Regarde-moi, je suis sur un cheval. Gênance, pas maintenant. Je vais partir au galop. Au revoir. Est-ce qu'on vient de devenir amis? C'est vraiment nul. Je vais voir Riley. Aide-la. Je m'occupe de ma part. Je suis rassasiée. C'était délicieux. Maintenant, je peux rêver tranquillement de mon merveilleux Brian. Voilà, Riley. Cible en vue. Pas d'obstacle. Pour l'amour. Vole ma flèche. C'était pas moi. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Quel sentiment étrange. Salut, Brian. Ça marche aussi. Riley, je veux te dire quelque chose. Je t'aime vraiment bien. Mais je ne t'aime pas. Pourquoi tu dis ça? Je ne crois pas en l'amour. Tu peux pas mourir comme ça. Ne nous abandonne pas. Écartez-vous immédiatement. Je dois voir ça. Je suis morte. C'est grave. Nous l'avons perdue. Elle était si jeune. Comment ça a pu arriver? Comment allons-nous faire sans amour? Elle n'est pas morte de mort naturelle. L'un de nous est le meurtrier. Arrêtez de paniquer. On doit tous se calmer. Oui, je crois que t'as raison. Laissez-moi faire. Je vais trouver le meurtrier. Tristesse, à vous. C'est toi qui l'as fait? C'est pas moi. Alors, c'est sûrement en vie? Wow, chouette chapeau. Je peux l'essayer? Non, c'est mon uniforme de travail. On passe à autre chose. Colère, je crois que c'est toi. Quoi? Utilisons la comptine. Amstram, Gram, colère et le meurtrier. Je l'ai pas fait. Alors, c'est sûrement embarras. Ces accusations sont sans fondement. C'est toi qui l'as fait. C'est un véritable duel qui s'engage. Combien de temps on va encore continuer à s'accuser mutuellement? Tu veux pas avouer? Très bien. Et pourquoi pas ça? J'ai un argument sérieux pour ça. Mon imperméable. Très bien, tu m'as convaincu. Les amis, qui a assassiné Amour? Laissez vos avis dans les commentaires. Oh waouh, ce sont ses souvenirs? On a de la chance. On va découvrir ce qui s'est passé maintenant. Regardez, je contrôle Riley. C'est qui? Bonjour à tous, je suis Amour. C'est trop cool ici. Ils vont l'aimer plus que moi. Waouh, c'est incroyable. T'es tellement belle. Prenons un selfie. Amour. Je suis stupéfait par cette beauté céleste. Laisse-moi t'avouer mon amour. Désormais, mon cœur n'appartient qu'à toi. Prends-le. Quel cadeau inattendu. Je suis très heureuse. Elle ressemble à une princesse. Arrête d'être timide sur tes sentiments. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, je crois que je suis amoureux. C'est drôle. Je laisse ma valise. C'est parfait pour les selfies. Chérie, ne pleure pas. Courage. Tu es très belle, toi aussi. Vraiment? Je suis émerveillée par la chaleur de ton cœur. Mais il vaut mieux qu'on te le rende. Waouh! Elle sent divinement bon. Maintenant, une partie d'amour sera toujours avec moi. Et voici la console de commande. Qui est là? Il t'a poussé une corne de licorne? Laisse-moi t'aider. C'est beaucoup mieux. Elle m'a embrassée. Je suis au paradis. Waouh, j'ai de si beaux fans. Je vous aime tous. Quoi? Elle a même un chewing-gum? J'adore! Laisse-moi en mâcher un. C'est délicieux. Voyons ce que dit l'autocollant. L'amour, c'est ne pas être jaloux de son partenaire? Quoi? C'est complètement absurde! Oh, c'est quoi cette porte? Laisse-moi essayer de l'ouvrir. Arrête! Ne fais pas ça! Oups, trop tard.
Ouh, t'es énorme. Salut. J'ai un secret effrayant. Riley et moi avons fait des trous dans la moquette. Tu vois? Ne le dis à personne. Les gars, saviez-vous que Riley avait un secret? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas possible! Amour, reste en vie! Quel cauchemar! Quelqu'un a tué Amour quand les lumières se sont éteintes! Maintenant, vous êtes tous suspects! Je dois prendre vos photos! J'aimais bien Amour! Je lui aurais jamais fait de mal! Suivant! Je l'aurais jamais tué! Amour disait que j'étais belle! Elle va me manquer! Reprends-toi! Oh, désolé. Pas de problème. Dis cheese! Au suivant! Je déteste être photographiée! Toujours le même. Souris pour l'appareil photo. Je déteste sourire! Suivant! Je lui aurais jamais avoué mon amour! Quoi? T'es sérieux? Oups, c'est ma faute. Désolée. C'est mieux. Regarde l'appareil. Quel flash brillant. J'ai failli devenir aveugle. Il y a encore de la place là-bas? Je veux déranger personne. Voici tous mes suspects. Commençons par toi. Pourquoi moi? L'expérience d'investigation d'embarras. À votre service, monsieur l'agent. Un instant. J'attends. Amour était tellement fatiguée par le voyage qu'elle a décidé de se reposer directement sur la console de contrôle. Mais c'est alors qu'est arrivée colère. Très intéressant. Colère comme toujours s'est vraiment mis en colère. Sa tête a commencé à flamber. Ça lui ressemble bien. Il a perdu le contrôle et a mis le feu aux jambes d'Amour. C'est là qu'elle a commencé à brûler. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Colère était terrifiée. Comme ça. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, il s'est enfui. Tu le refais très bien. Continue. Le feu montait de plus en plus haut. C'est alors qu'Amour s'est réveillée. Elle a eu très peur et elle est tombée. Oh là là! Amour a essayé d'éteindre le feu. Elle se balançait d'avant en arrière, mais ça n'a servi à rien. Au contraire, les flammes devenaient de plus en plus fortes. Elle s'est battue jusqu'au bout. C'est comme ça que tout s'est passé. J'ai compris. T'es libre de partir. Colère, c'est ton tour. Officier, on m'a appelé. Montre-moi en détail ce qui s'est passé. L'expérience d'investigation de Colère. Voilà ce qui s'est passé. Amour est arrivée. Elle a rencontré tout le monde. Puis elle est allée à la console de commande. Elle a commencé à appuyer sur différents boutons et a accidentellement appuyé sur le bouton d'abonnement. Eh les amis, vous devriez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis Envy a remarqué que Amour était à la console de commande. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Envy a décidé de se déguiser. Elle s'est fondue dans le mur et a commencé à se faufiler de plus en plus près d'Amour. Naturellement, Amour ne s'est douté de rien. Elle était juste en train de se refaire une beauté, comme d'habitude. Revenons à Envy. Je veux être aussi belle que toi! Quel drame! Continue! Envy a décidé que la meilleure chose à faire était de tuer Amour. Elle l'a donc frappé à la tête. Le coup a fait tomber Amour par terre. Quelle incroyable cruauté! Après ça, la criminelle a voulu se débarrasser du corps. Elle a ouvert le coffre de sa voiture. J'aurais jamais cru qu'Envy puisse être aussi sournoise. Puis elle a jeté le corps dans la voiture. Calmement, elle a pris le volant. Comme si de rien n'était, elle a démarré le moteur et elle est partie vers l'inconnu. Alors, elle avait une voiture? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai compris, tu peux partir maintenant. Appelle Envy. On m'a appelé? Je veux entendre ta version des faits. Oh! L'expérience d'investigation d'Envy. Je vais tout te dire. Sois gentille avec elle. Tu peux commencer l'expérience. Je vais reconstituer avec précision les événements passés. Amour dormait paisiblement sur le canapé. Noté. Continue. C'est alors que Tristesse est apparue. Elle voulait se débarrasser d'Amour. Et comment comptait-elle s'y prendre? Elle avait un plan astucieux.
et un sac à dos vide. Elle a attrapé Amour endormi et l'a fourré profondément à l'intérieur. Continue. Puis Tristesse l'a emmené quelque part. J'ai partagé tout ce que je savais. T'es libre de partir. Tristesse, je veux te voir. Comme tu veux. Crache le morceau. L'expérience d'investigation de Tristesse. Voici les accessoires pour toi. Merci. Je regarde pas. C'était gênant. C'est tout? Oui, elle est à nouveau habillée. Commençons. Amour se tenait près de la console de commande. Elle appuyait sur différents boutons pour s'assurer que tout allait bien avec Riley. Un instant. Mais voilà qu'Ambara a commencé à s'approcher d'elle en tenant une rose. C'est une drôle de démarche. Il lui a donné la fleur et ils ont commencé à s'embrasser passionnément. Passons les détails. Mais c'est pas tout. Après ça, Ambara a demandé Amour en mariage. Je le veux. Embrassons-nous à nouveau. Arrête, ça suffit. Amour, t'es vivante. Moi aussi, je suis contente de te voir. Tu nous as tellement manqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une orbe de mémoire. Maintenant, vous allez tous voir par vous-même. J'ai commencé à dire à tout le monde que Riley avait un secret. Soudain, les lumières se sont éteintes. C'est alors que le sombre secret de Riley est apparu et m'a frappé à la tête. Je suis tombée. Et après ça, vous savez déjà tout. Les gars ont trouvé mon corps près de la console de commande. Maintenant, vous connaissez toute la vérité. Quel méchant! Il faut qu'on l'attrape. Je m'en suis déjà occupée. Détachez-moi! Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle a révélé notre secret avec Riley! Je t'ai entendu. Eh bien, l'affaire est résolue. Mais révéler les secrets des autres, ce n'est pas bien. Je le referai plus. On a complètement oublié Riley! Il faut qu'on se réveille pour aller à l'école! On s'est pas réveillé! Laisse-moi m'occuper des commandes! Je suis en retard pour l'école! Je dois me préparer très vite! Super, les dents sont brossées. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? On n'oublie pas mon sac à dos? J'ai même pas encore mangé. Ok, pas de soucis. Je mangerai sur le chemin de l'école. Je dois aller par là. J'y suis. J'ai juste besoin de prendre mes livres et d'aller en classe. Tu es si beau, Brian. T'es trop beau. Je t'aime. C'est trop mignon. On est en retard en cours. Riley, reprends-toi. Je suis folle de toi. Bon, il faut que je trouve une place en classe. Oh, wow. Pas question, il y a un bal à l'école ce soir. Qu'est-ce que ça peut te faire? Personne ne va t'inviter, de toute façon. Quoi? Pourquoi? Regarde-la, elle rêve d'être la reine de l'école. Dans cette tenue, on dirait une clocharde. Laissez-moi tranquille. Loser. J'ai pas d'autres vêtements. C'est à moi de briller. Vous sentez la honte? On a été humiliés. Arrêtez de vous moquer de moi! La voilà, la vraie reine des losers! Qu'est-ce que c'est que cette ordure? T'en auras plus besoin! Pourquoi tu fais ça? Je vais les frapper! Se battre, c'est pas bien! Elles s'en prennent toujours à nous! Attendez, laissez-moi essayer! Tu veux aller au bal chauve? Ça va vraiment surprendre tout le monde! Je veux pas! C'est un cauchemar, au secours! Ils vont nous couper nos beaux cheveux! C'est tellement effrayant, vous comprenez? Oh. D'où il vient, lui? Arrête de paniquer! C'est mieux. Alors, à qui le tour? Je mets la peur au maximum. S'il vous plaît, ne me coupez pas les cheveux! Et vous, éloignez-vous d'elle! Laissez Riley tranquille! Regarde-le faire le dur! J'ai tellement peur! Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas encore pensé!
On est condamné, il faut courir. Augmente le niveau de peur au maximum. Stop, ne me frappez pas. Où est passé ton courage? T'as de la chance. La cloche t'a sauvé. Écarte-toi. Bouh. Bouh. Ne me frappez pas. Enfin, elles sont parties. Phew, c'était moins une. Brian, merci d'avoir essayé de m'aider. Tiens, t'as laissé tomber ça. Je suis vraiment reconnaissante. À bientôt. Attends, tu veux aller au bal avec moi? Tu me demandes de sortir avec toi? Il nous a invités au bal! J'arrive pas à y croire. C'est en train d'arriver. Oui, ok. J'aimerais bien. À ce soir, alors. À ce soir. Oh, c'était tellement inattendu. Yay! Félicitations! On va au bal ce soir! Mon rêve est devenu réalité! J'ai hâte de rentrer à la maison. Le temps passe vite à l'école. C'est fini! Il est temps de se préparer pour le bal. Je dois trouver une tenue. J'ai besoin d'une belle robe de soirée. Attends, j'en ai vu une dans le placard de maman. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est beaucoup trop grande pour moi. Désastre, c'est un échec total. Je commence à paniquer. Oh, je peux pas aller au bal avec cette tenue. Il faut que je me change. Peut-être que je devrais essayer le costume de papa. Je sais pas de quoi j'ai l'air. Certainement pas. Ils vont se moquer de nous avec ça. Oh, je peux pas regarder ça. C'est le seul vêtement que j'ai. On a de gros problèmes. On dirait que la danse est annulée. J'ai rien à mettre. Brian ne m'aimera jamais. Hé, hey, qui pleure ici? Bauchi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour t'aider à te préparer pour le bal. Mais j'ai pas de vêtements. Ouvre-moi, tu trouveras ta tenue à l'intérieur. Wow, c'est vraiment pour moi? Je vous ai dit que tout irait bien. Riley va avoir une nouvelle tenue. J'espère que ça va lui aller. Et si la taille n'est pas la bonne? Ne portez pas la poisse! Et moi, ce sont des larmes de joie. On peut pas se mettre dans l'embarras. Il est temps d'être heureux. J'ai hâte de l'essayer. Cette musique est géniale. Faisons la fête. La musique est rock. Nous sommes les stars du show. Cette musique est amusante à danser. C'est l'heure du slow. Je vais demander à quelqu'un. Bonne idée. Hé, hey, tu veux te joindre à moi? Bien sûr, dansons. Où est Riley? Elle viendra probablement pas. Je voulais te dire... Vas-y. Je t'aime bien. Et moi alors? Bien sûr. Bon garçon. Où est ma Riley? J'espère que j'arrive pas trop tard. Où est Brian? Pourquoi n'est-il pas là pour me rejoindre? C'est notre soirée! Riley devrait être au centre de l'attention. Jusqu'à présent, tout va bien? Totalement. Je suis tellement heureuse. Cette musique est géniale, j'ai envie de danser. Et qu'est-ce que tu fais? Je veux juste danser. Ne nous mets pas dans l'embarras. Je meurs de honte ici. Il est en train de tout déchirer. Brian n'est nulle part. Riley? Elle est magnifique. Brian m'a remarqué. Je me sens tellement mal à l'aise. Il nous a regardés. Je suis pas prête pour ça. Qu'est-ce qu'on fait à l'aide? Je dois être courageuse. Riley, t'es superbe. Je suis si contente de te voir. Moi aussi, je suis contente. Puis-je avoir cette danse? Oh, je sais pas. Il nous a demandé de danser? Qu'est-ce qu'on fait? Qui sait danser? La danse, c'est mon truc. Je vais illuminer la piste. Embarras, non! Vous me reverrez plus jamais! Je vais quitter le pays! J'ai compris. Faisons comme si tout allait bien et qu'on n'était pas nerveux. Je ne suis pas une grande danseuse, mais essayons.
C'est vraiment nul. Regarde ces petits crétins. Ils sont si maladroits. Il faut qu'on se tienne la main. Mais je sais pas trop comment. J'ai jamais fait ça avant non plus. Embarras, t'es né pour ce moment. C'est le moment. Activation du mode mourir d'embarras. C'est tellement gênant. Je m'évanouis. Je suis pas bonne danseuse. T'appelles ça danser? Quelle honte! Regarde, elle danse comme un pigeon blessé. Essaie de mettre tes mains sur mes épaules. Comme ça. Oh, t'es sûre que c'est bien? C'est un peu inconfortable. Montrons-leur comment on fait. Je vais éclater de rire. Ce sont les rois du rire. Ils se moquent de nous. Il est temps de profiter de la danse. Comme tu veux. Pas comme ça. Je vivrai jamais ça. Ça suffit. Il est temps que Riley s'amuse. J'aime bien danser avec toi. Je suis content que tu sois venu. On se débrouille déjà très bien. Oui, j'ai le pied cassé là. Désastre total. Danse gâchée. Mon pied me fait trop mal. Riley, accroche-toi. Je tombe. Allez, je me suis cassé la jambe. J'arrive, ravie de vous rencontrer. Je suis votre médecin. Vous pouvez réparer? Bien sûr. Ça va faire mal. Calmez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Je vais faire en sorte que ce soit rapide et indolore. C'est fait. Comment ça va? C'est bizarre. Comment je suis censée marcher maintenant? Nos jours de hockey sont terminés. C'est la fin de notre carrière. Quand est-ce que ça va guérir? Bientôt, ne paniquez pas. Tout ça à cause de cette stupide danse. Tu devrais pas faire les choses que tu ne peux pas faire. Comment je peux aller à l'école avec un plâtre? C'est l'embarras total. Pas question d'aller à l'école. Amenez-moi aux commandes le plus vite possible. Je suis grillée à l'école. Vérifions votre vue. Lisez les lettres que je vous montre. Mais je vois rien. Mauvaise nouvelle. Vous allez avoir besoin de lunettes. Tenez, maintenant tout sera clair comme de l'eau de roche. Des lunettes? Tuez-moi tout de suite. Ça va? Pas question que j'aille à l'école maintenant. Eh, comment ça va? Pas super. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Cool, c'est chouette. Des patins à glace? Comment je suis censée les utiliser? Ils se moquent de nous. Ma jambe est cassée. Je peux pas faire de patins à glace. Désolée, j'ai pas réfléchi. Prends ton cadeau et va-t'en. Très bien, comme tu veux. J'ai essayé, je l'ai choisi et elle est toujours pas contente. Ingrate. Je rentre à la maison. La journée a été dure. C'est le début d'une nouvelle semaine d'école. Donne-moi ça. Luna, attrape. Rends-le-moi. Prends-le. Voyons ce qu'il y a dans le sac à dos de l'intello. Regarde ça, elle va pleurer. Mes affaires. Il est temps pour moi de briller. Pas le temps pour la tristesse. Lily a besoin de joie. Laisse-moi passer. Je supporte pas les brutes de l'école. Calme-toi. Je m'en occupe. Viens ici. Évitons toute agression. Laisse-moi tranquille. Essaie de trouver ta place sans tes lunettes. Et sois pas en retard. On traîne pas avec les intellos. La cloche. Allons-y. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je vois rien. C'est l'heure de la souffrance et de la douleur. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Anxiété. Personne ne t'a invité? Oh, allez, on sera certainement amis. Probablement. Ou peut-être qu'on sera des ennemis jurés. Où est ma chambre? Attends. Tu dois être Joie. Superbe coiffure. C'est trop craignos. Et voici Embarras. On est heureux de te voir. Pas si près. Oh, quelle belle poignée de main. Ne me regarde pas. Elle a besoin de toi, viens. Je sais même pas, dois-je appuyer? D'accord, je vais essayer. Bon travail, voyons les résultats. Tout le monde a vu mon embarras.
J'ai tellement honte d'aller en classe maintenant. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'aille en cours. Désolée, je suis en retard. Je peux entrer? Attaque de nerds! Lily, où étais-tu? Je me suis perdue. Peux-tu retrouver ton chemin jusqu'au tableau? Oui, Madame Reed, j'arrive. Pouvez-vous me guider, s'il vous plaît? Elle va nous causer des ennuis aussi. Ne t'inquiète pas, je connais la bonne réponse. T'es une vraie amie. Regarde bien. La voilà, loser. Je le savais. Regarde, elle va encore pleurer. Arrêtez de faire du bruit! Je sais pas comment résoudre ce problème. Parce que tu dois venir en classe à l'heure. Assieds-toi. F. C'est pas juste, c'est pas ma faute. Qui est le suivant? Oh, s'il vous plaît, restez assis. Oh, tu m'as manqué aussi. Ah, l'élève au F, honte à toi. Attends, descends de ton siège. Stop, ça suffit. Je déteste l'école. Je veux plus venir ici. Eh, ralentissez. T'es sur mon chemin. Elle a eu assez d'embarras. Travaillons ensemble. Gêne anxieuse. T'es un génie. Je vais étudier à la maison. C'est encore eux. Tu t'es trouvé une meilleure place, c'est ça? Reste là, alors. Pourquoi ils continuent? Oh, c'est l'heure de manger. La nourriture devrait améliorer mon humeur. Super, mon cheeseburger préféré. Cette place est prise. Très bien, je vais m'asseoir seule. On dirait que Superman a scellé ma boîte à lunch. Enfin! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, ça sent mauvais! Je le savais, les nerds mangent de l'herbe. C'est pas grave, au moins c'est sain. Les enfants cool mangent des hamburgers. Faisons-lui une farce. D'accord, je suis d'accord. Tu veux essayer? Bien sûr, je veux bien. Oups! Encore! Un hamburger poussiéreux, ma recette spéciale. Où vas-tu? Tu vas aimer! Attends! C'est bon, Lily. Tu n'as pas faim. Je veux rentrer à la maison. Un peu anxieuse. Laisse-nous partir maintenant, tu vas tout gâcher. Ils sont trop inquiets, il faut les calmer. Je suis d'accord. Vous avez pas honte de crier comme ça? Tout est fichu. Économisez vos nerfs, continuons de travailler. Je peux plus être en retard. Hé, Lily, t'as oublié ton déjeuner? Le burger poussiéreux t'attend. Je dois juste les ignorer. Prenez place, nous avons un test de mathématiques aujourd'hui. Par où commencer? C'est dur. C'est l'heure des antisèches. Vous pouvez commencer, le temps passe. Je dois le faire à temps. Heureusement que j'ai préparé les réponses, il faut juste s'assurer qu'elle ne les voit pas. C'est du gâteau. Je suis une pro de la triche. Madame Reed ne regarde pas. Combien de temps reste-t-il? Je vois tout! Qu'est-ce que c'est? Elle arrive! Je suis en retard! Montrez-moi votre travail! Parfait! On a vraiment essayé. Ça a marché. Vous avez un A+, continuez comme ça. Lily, tu triches? Comment as-tu pu? Quoi? Tu dois écrire tout toi-même. Je te donne un F. Avec un énorme moins. Deuxième F de la journée. Vous m'avez piégée. On l'a sauvée de l'école. Bon travail, mon timide partenaire. Je vous aurai pour ça. J'en ai assez, je reviendrai plus dans cette école. C'est horrible ici. J'ai pas d'amis. Oh non, j'ai trempé mon oreiller. Maintenant, je dois dormir sur un oreiller mouillé. Je suis libre. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Courage, tout va bien se passer. Je peux rien faire. Stupide oreiller! Toi aussi, tu m'as trahi. Je n'abandonnerai pas. Je vais t'assécher. C'est compris? Enfin, je vais tout arranger. Laisse-moi prendre le contrôle. J'ai une idée. Je peux m'en servir comme un micro. Je savais que ça irait. Il est temps de se remettre au travail. Allons-y. Je vais t'écraser. Calme-toi, tête brûlée. Ça suffit, tu vas la voir. C'est moi qui commande. Retenez-la. Arrête de mettre Lily dans l'embarras. T'es virée.
Faites une pause, prenez l'air. Laissez-nous, j'ai peur.